Bah justement, on parle de communication. Xbox avait communiqué en début d'année sur un rachat historique, un véritable coup de tonnerre dans l'industrie du jeu vidéo avec le rachat d'Activision Blizzard. Oui, Microsoft qui déboursait près de 70 milliards pour s'offrir l'ogre américain. Et on le sait, hein, depuis, la FTC aux États-Unis épluche actuellement les éléments pour valider ou pas le rachat. La plupart des analystes, la plupart des avocats semblent plutôt dire que ça devrait bien se passer. Mais, en l'occurrence, ça bouge. Et visiblement, ça bouge même vite. Et si l'on en croit, et pourquoi ne pas le croire, en l'occurrence, Brad Smith, le président de Microsoft, qui s'est confié à l'organe de presse L'Echo, eh bien, il a indiqué quelques petits éléments qui, ma foi, sont intéressants et qui nous montrent que la situation avance. Alors, dans le bon sens ou pas, ça c'est encore bien compliqué de le savoir, mais en tout cas, ça avance vite. Voilà ce qu'il a dit, je vous le traduis. « Cela va vite, du moins assez vite pour une acquisition de cette taille. Nous avons reçu des demandes d'informations à ce sujet ici à Bruxelles, mais aussi à Londres et à Washington. Nous répondons aux questions, nous donnons des briefings et nous fournissons les informations demandées. » L'un de nos avocats l'a bien résumé en disant « Nous arrivons à la fin du début ». Et maintenant, nous entrons dans le début du milieu. C'est un long processus et nous en sommes encore au stade où nous répondons aux questions. Pour nous, bien sûr, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera, mais nous respecterons le processus. Bon ! Eh bien, est-ce que l'année prochaine, définitivement, on aura un Xbox et Bethesda et Activision Blizzard Game Showcase ? J'ai beaucoup aimé la phrase de l'un des avocats qui dit « Nous arrivons à la fin » du début, et maintenant nous entrons dans le début du milieu. Ça permet de situer un petit peu les choses. En tout cas, initialement, Microsoft avait estimé qu'il faudrait globalement un an pour boucler ce deal colossal, engagé en début d'année. Mine de rien, nous sommes déjà dans le cinquième mois, et bientôt le sixième mois, et donc bientôt à la moitié de cette année, donc le temps passe vite, extrêmement vite. À suivre.